C'est un spectacle sur le métier de journaliste aussi. Qu'est-ce qu'un journaliste ? Bonsoir à toutes et toutes, bienvenue à la Comédie. Je salue nos élus, les représentants de l'État, de la ville de Reims et des collectivités territoriales, les directeurs et directrices ainsi que les équipes des structures culturelles rémoises qui sont avec nous ce soir. Merci à vous tous et toutes d'avoir fait de la saison dernière une réussite. Merci de votre soutien et des partenariats renouvelés pour la saison à venir. Nous avons présenté la saison dernière 43 spectacles pour 144 levées de rideaux. 8 projets ont été répétés à Reims. 178 artistes ont été accueillis. 64 intermittents techniques ont été embauchés. Nous sommes partenaires de 4 projets de coopération européens. 3 spectacles ont été proposés en itinérance dans la Marne, dans les Ardennes, dans l'Aube et dans l'Aisne. Vous étiez 47 000 spectateurs la saison passée, dont 23 000 ici à la Comédie et 24 000 en tournée. Et un tiers du public de la Comédie a désormais moins de 30 ans. Merci à vous. Merci aux artistes, aux techniciens intermittents, aux acteurs du service public, enseignants, relais sociaux et associatifs partout sur le territoire qui nous accompagnent chaque saison dans la construction de projets au long cours pour nous permettre de donner accès à la Comédie à un public le plus large possible. Merci à nos partenaires, La Boussole, Plurial Novilia, La Maïf, la Maison de Champagne Ayala, à nos partenaires médias au service de la ville de Reims, aux équipes de la Comédie sans qui la réalisation de tous ces projets ne serait pas possible. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 6e saison.
Bénédicte Cherouti, Elsa Agnès, Noémie Sikova, David Jesselson, Annelise Heimburger et Pierre Nouvel sont nos artistes associés pour ces 3 années. Certaines sont avec nous ce soir, ainsi que Sébastien Evenot, artiste associé à la direction depuis mon arrivée en 2019, qui présente cette soirée avec moi. Bonsoir. Cet automne sera marqué par 2 créations, dont une créée spécialement pour l'itinérance. Elles seront répétées et présentées en primeur à Reims avant de partir de Paris au territoire du Grand Est. Nous nous réjouissons de l'arrivée d'une nouvelle troupe, de 5 jeunes interprètes et d'un auteur dramaturge, la 4e depuis la création de ce dispositif avec la Comédie de Colmar. La Comédie est un lieu de création. Ces 4 salles sont occupées toute l'année par des artistes au travail. Quand un spectacle joue dans une salle, un autre est en train d'être fabriqué dans une autre. Cette fabrique, nous vous y donnons accès chaque saison à travers les cartes blanches, les étapes de création, les projets intercales ou encore la plateforme Écomédie. La Comédie, c'est aussi un lieu de vie pour vous toutes et tous, ouverte toute la journée. Vous pouvez découvrir le bâtiment à travers des visites, des expositions, pratiquer le théâtre grâce à des stages, des ateliers conçus pour vous, pour vos enfants, pour vos ados, ou encore déjeuner ou dîner au restaurant. Pour débuter et clore cette saison, 2 samedis vous proposent un parcours de découverte tout au long de la journée, avec la complicité des élèves de la classe et des artistes associés, ainsi que la troupe. Le premier sera notre ouverture de saison et ce sera le 28 septembre. Alors, la saison dernière, ce sont les élèves de la classe qui ont clos l'année aux côtés de nos artistes associés lors d'une nuit à Reims. Et donc, le 28 septembre, ce sont eux aussi qui ouvriront cette nouvelle saison lors d'un samedi où tout sera en entrée libre sur réservation. On les retrouvera à 15h pour l'ouverture de leur premier atelier, dirigé par Guillaume Delpech, professeur de chant au Conservatoire de Reims, autour de textes de Jacques Prévert, mis en musique, par Joseph Cosma. Vous pourrez aussi vous inscrire pour une visite du bâtiment et assister à la présentation de travail d'Anne-Cécile Vandalem, une metteuse en scène belge qui travaille depuis début août avec 16 jeunes artistes européens dans le cadre de cette nouvelle édition de l'École des Maîtres, projet européen, accompagné par la Comédie depuis maintenant 20 ans. La journée se terminera à l'Arboretum par long développement d'un bref entretien. Long développement d'un bref entretien. C'est un spectacle mis en scène par Carole Thibault, avec moi-même, entre autres. Donc, l'histoire est assez simple. Jo, Louise, Yann et Johan sont amis. Ils vivent depuis toujours au même endroit, dans une ville un peu moyenne. Au niveau de la taille, bien sûr. Alors, un jour, Yann confie à Louise son désir de partir un peu voir ailleurs. Et cette confession va ébranler l'équilibre du groupe et elle conduira à des nombreux quiproquos. Le texte de Magne van der Berg est construit majoritairement sous forme de dialogue, avec des phrases très courtes dans un style très épuré. La mise en scène de Carole Thibault a été conçue pour jouer à l'extérieur, dans des jardins publics. C'est pour cette raison qu'il se jouera à Reims, au parc Léo Lagrange, dans la cour d'honneur de Sciences Po, dans un jardin d'une maison de champagne, boulevard Lundy, et pour finir à l'Arboretum de la Comédie. Depuis notre arrivée en 2019, nous proposons des cartes blanches. Ces cartes blanches sont des rendez-vous d'une heure proposés par des artistes autour d'un geste artistique singulier qu'ils ou elles ont envie d'expérimenter et de partager avec vous. Une des premières cartes blanches en 2020 a été celle de Bénédicte Cherouti, comédienne, interprète de Girls and Boys, du Firmament ou d'Andromaque cette saison à la Comédie. Elle a pu expérimenter l'écriture de son propre texte qu'elle interprète au plateau accompagnée d'une plasticienne. Cette carte blanche a connu bien des étapes de transformation depuis et vous est proposée cette saison, sous sa forme finale, le spectacle Les Sentinelles donc. Et j'accueille notre artiste associé sous vos applaudissements, Bénédicte Cherouti. Faut y aller.
Quelle entrée. Bonsoir Bénédicte. Alors tu es en répétition dans la petite salle, comme on l'a vu. Voilà, merci d'être venu nous voir. Et donc c'est quoi le point de départ de ce projet? N'importe lequel? Ah, bien sûr, celui que tu veux. Ah bah, le vert. Alors je suis contente que tu me poses cette question. Alors j'avais préparé quelque chose. C'est génial, c'est incroyable. Vraiment super, quel hasard. Alors, je commence par le commencement. Au printemps 1974, il y a une équipe de tournage de la National Geographic Society qui est accostée sur une île perdue de l'océan Indien pour y réaliser un documentaire, L'homme à la découverte de l'homme. Et pour établir un premier contact avec les habitants, l'équipage a déposé des offrandes sur le sable, une voiture miniature en plastique, des noix de coco, un cochon vivant et une poupée. C'est un protocole basique pour les anthropologues de faire des offrandes. Et la réponse a été sans appel. Une brutale série de flèches a obligé le réalisateur et son équipe à fuir pour sauver sa vie. Les assaillants se sont ensuite mis à danser sur le rivage avant de tuer le cochon et de l'enterrer avec la poupée. Cette île, c'est l'île de North Sentinel dans le golfe du Bengale. Et sa population, qu'on a nommée, faute de mieux, les Sentinelles, est estimée à 50 ou 200 personnes. Comme la jungle est très dense, c'est difficile de savoir. C'est l'une des dernières tribus non contactées de notre planète, c'est-à-dire qu'ils sont totalement isolés de la civilisation moderne et ils rejettent tout contact avec le monde extérieur. Du fait de leur agressivité systématique et de leur vulnérabilité, le moindre de nos virus leur serait fatal. Le gouvernement indien en a interdit l'approche en 1996. Donc l'existence de ces autres, inaccessibles et inconnus, m'a donné le vertige. Je ne savais pas que c'était possible, cet isolement, là, dans notre planète. Et je me demandais, est-ce que c'était nous qui avons proliféré follement sur leur planète, ou bien est-ce que c'est eux qui ont perduré au creux d'un angle mort de la nôtre. Est-ce que la rencontre avec l'autre suppose nécessairement une mise en danger mutuelle, une désintégration? Et en fait, c'est quoi l'autre? Et donc, ce spectacle, c'est toutes les réponses que je n'ai pas trouvées. C'est un voyage à tâtons sur les questions de la rencontre, de la solitude qui nous protège, mais qui nous enferme aussi. C'est une odyssée dans une salle de bain. Et merci Bénédicte. Et si on veut savoir du coup ce que tu vas faire avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut venir. Et je retourne en répétition. Surtout, merci, merci d'être venu. Merci d'être arrêté et tout ça. Bonne répète. En octobre, après les Sentinelles, donc, nous sommes heureux d'accueillir le Sunnyside Festival en partenariat avec la coopérative rémoise Jazzus, et c'est Gilles Gauthier qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Eh bien, je te laisse présenter peut-être le festival et puis les concerts qu'on a fait. Oui, globalement le festival, le Sunnyside Festival, c'est le rendez-vous du jazz tous les ans à Reims. Nous essayons de présenter un panorama de l'actualité du jazz français, européen et américain également. Nous sommes vraiment axés sur les musiques noires américaines et les musiques improvisées. Donc nous laissons la part belle évidemment aux artistes français régionaux et à tous les métissages que nous pouvons retrouver dans la programmation. Et, alors spécifiquement sur cette édition, nous retrouvons aussi une programmation axée sur le jeune public qui se retrouve au Cellier. Bon, ça c'est le petit écart, mais si vous avez des enfants, n'hésitez pas à vous renseigner sur la programmation que nous avons intitulée Sunny Kids. Donc, il est dédié aux enfants des 3 ans jusqu'au collège.
Voilà. Concernant l'atelier de la comédie, et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir investir cette salle, merci encore de ce partenariat. Un petit changement a eu lieu sur la première soirée, qui était initialement prévue avec le saxophoniste américain Marcus Strickland, mais qui a annulé sa tournée. Donc nous avons un remplaçant d'excellente qualité qui est Mark Copland, donc qui est aussi américain. Donc ce pianiste légendaire qui a tourné avec John Abercrombie, etc., sera donc en trio avec deux musiciens français pour l'occasion, pour cette première soirée, le 8 octobre. Nous enchaînerons ensuite avec un monument, vraiment un monument du jazz français, qui est Daniel Humer, qui sera accompagné d'un autre monument, qui est Louis Clavis, le clarinettiste. Voilà, c'est deux musiciens qui ont créé le style jazz français que le monde entier, l'Europe connaît. Donc, ils seront accompagnés pour l'occasion de Benjamin Mousset au clavier, et avec une première partie tout en délicatesse, Célia Koumeni, je crois, je ne sais pas. Excusez-moi, en duo avec Benoît Ruder, le pianiste, donc un duo piano-voix tout en délicatesse. Et pour conclure ce passage à l'atelier de la comédie, le jeudi, nous aurons une soirée un peu spéciale, orientée très moderne, avec deux formations pour un esprit un peu noise, voilà, puisque le jazz se nourrit des musiques contemporaines. Et là, on est vraiment dans un univers très, très énergique, avec un duo composé de Delphine Joussin, qui est flûtiste, et un batteur suédois dont le nom de scène est Cheikh Anorak. Donc voilà, on est vraiment sur de la musique un peu expérimentale, mais qui déborde vraiment d'énergie. Et la conclusion de cette soirée sera le trio lyonnais Kuma, où là on est vraiment dans l'énergie d'un power rock trio. Voilà, c'est vraiment l'actualité du jazz en ce moment. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. À l'initiative de l'Université de Reims, qui organise deux demi-journées de rencontres autour du théâtre cubain, auquel vous êtes conviés, les élèves de la comédie liront à 19h différents textes d'auteurs et d'autrices cubaines pour vous faire entendre la diversité du théâtre contemporain cubain. Nous avons créé Rapt la saison dernière à la comédie. Il s'agit de la première pièce d'une jeune autrice québécoise qui s'appelle Lucie Bois-d'Amour. Donc Rapt, c'est un thriller. Donc je ne peux pas vraiment vous raconter l'histoire, parce que si je vous raconte l'histoire, je risque de vous dévoiler des informations cruciales et de vous gâcher, de vous spoiler. Voilà, donc tout le suspense. Néanmoins, c'est une pièce qui parle de notre rapport à l'information et de la difficulté de faire le tri dans ce flot d'informations parfois contradictoires qui nous inondent chaque jour par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux ou des chaînes d'infos. Comment savoir si elles sont vraies, si elles sont fausses, d'où elles viennent et si elles sont orientées, comment savoir comment nous positionner par rapport à ça réellement. Dans Rapt, le personnage principal se fait voler son identité numérique. Il va donc se lancer dans une enquête pour comprendre comment c'est possible et qui sont les personnes qui font ça. L'autrice, pour écrire cette fiction, s'est elle-même beaucoup, beaucoup documentée. Elle s'est probablement mise en danger pour nous apporter des éléments troublants, passionnants, parfois effrayants, mais le résultat donne un objet que seul le théâtre permet, en usant d'une manière ludique de tous ses artifices, l'humour, le suspense et l'émotion. Donc là, c'est le moment que je vais demander aux gens qui ont vu la création l'année dernière, parce que j'en vois, il y en a certains qui sont dans la salle, de continuer à bien garder les secrets qui entourent cette œuvre, cette création, pour les raisons que vous savez, bien sûr. Cette poubelle était à quelqu'un d'autre et que je la voyais, je me dirais que ces gens sont des porcs répugnants. Ouais, ça pue, hein. Oh, y a du jus, y a carrément du jus. Tu vas jeter cette éponge après, hein. Non, je vais juste la rincer et la remettre dans la bassine. C'est couvert de moisi. Oh, ça Dieu. Ne se tue pas, le moisi. Ne, je oh, dis juste, Dieu. C'est pas hygiénique. Mais reste pas là, le cul posé, à me regarder vider le jus de la poubelle et à critiquer mes méthodes. Évidemment que je vais jeter l'éponge dégueulasse pleine de moisi. Pourquoi tu me demandes un truc pareil? Laisse tomber. Alors pourquoi? Je sais pas. Bah alors, juste, quoi? T'es pas très futé, hein. Quoi, comme ça? Mm-hmm. Juste se débarrasser de Netflix. Ouais.
Quoi, se débarrasser de Netflix totalement? Ouais. Ou, tu sais, continuer à payer 6 livres par mois pour être espionné par une multinationale. Ok, d'accord, mais je peux juste voir si j'ai raison à propos du mari d'Olivia Colman d'abord, parce que je crois vraiment que c'est lui qui l'a fait. Bien sûr. Murderer. I'm sorry, Mr. Officer. Murderer. Still looking like that. Murderer. Still looking like that. Yeah. Murderer. Intercale, ce sont des rendez-vous imaginés en collaboration avec l'association Écoélectrique. Des propositions qui explorent les liens existants et ceux qu'il reste à inventer entre théâtre et multimédia, qui s'intercalent dans la saison, dans les interstices de la création en permettant de développer la recherche et l'expérimentation. Intercale, c'est également Écomédie, plateforme d'écoute en ligne que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de notre site internet. Vous y trouverez également des sujets à écouter autour des spectacles, des podcasts qui sont coordonnés par Anne-Lise Heimburger, qui est aussi notre artiste associée. Intercale, ce sont aussi des cartes blanches dédiées, dont deux nouvelles propositions qui viendront cette saison au printemps prochain, qui seront annoncées un petit peu plus tard. Suite à une de ces cartes blanches, la saison dernière, autour de la création de Rapt, justement, Afif Riahi et Mathieu Chaman ont imaginé un dispositif immersif en réalité virtuelle intitulé Inner Rapture, pour vous faire entrer autrement dans la fabrication du spectacle. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette installation avant les représentations de Rapt en novembre. C'est une installation où il faut être équipé de casques, c'est pour 3 personnes à la fois. Il y a beaucoup de séances avant le spectacle, mais il faut vraiment penser à s'inscrire parce que ça se remplit très vite. Ah, c'est encore moi. Les Hommes approximatifs étaient une compagnie associée à la comédie pendant nos 4 premières saisons. Depuis, Caroline Guiela Nguyen, la metteuse en scène, dirige le Théâtre national de Strasbourg. Elle a présenté cet été Lacrima, sa dernière création, lors de la dernière édition du Festival d'Avignon. Vous pourrez découvrir le spectacle en novembre sur ce grand plateau. Et c'est Dan Artus, fidèle complice de Caroline, acteur dans le spectacle et plus encore, qui vient nous en parler. Bonsoir Dan. Bonsoir à toutes et tous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Et écoute, je te laisse présenter le spectacle. Oui, le spectacle qu'on a créé à Avignon. Lacrima, c'est l'histoire d'une robe de mariée, la conception d'une robe de mariée pour une princesse en Angleterre. Et donc, on va suivre dans 3 lieux différents, à Paris, dans un atelier de haute couture, la conception de cette robe, à Alençon aussi, pour la dentelle qui est conçue pour cette robe, et à Mumbai, où est conçue toutes les broderies des maisons de haute couture, Chanel, Dior, etc. Voilà, donc on va suivre pendant 8 mois la conception de cette robe et le travail de tous ces petites mains, des ouvrières, des brodeuses, des brodeurs, des patronniers sur la conception de cette robe. Voilà, ça c'est l'histoire. Ensuite, sur le travail de Caroline sur les spectacles que peut-être certains ou certaines ont vus sur ce plateau, que ce soit Saigon ou Fraternité. Caroline travaille toujours avec en mélangeant les acteurs professionnels et non professionnels. Voilà, ce qui permet de voir apparaître au plateau des personnalités qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur des plateaux. Comme à son habitude, il y a plusieurs langues au plateau. Il y a du tamoul, du français, de l'anglais, de la langue des signes. Que dire d'autre encore ? Voilà. Sinon, voilà, on a fait un grand succès à Avignon et qu'on en est ravis, que le spectacle a une grande tournée et qu'on est ravis de venir jouer ici à Reims, ici, chez vous, spectateurs, ici, et de vous présenter cette nouvelle pièce de Caroline. Voilà. Merci, Dan. Merci à vous. Bonne soirée. À tout à l'heure. Sinon, je ne vous cache pas qu'on attendait votre appel impatiemment. Vous êtes toujours à Londres? Yeah, I just left Royal Chambers and entered my hotel now. Et alors?
It's ours, Mario. Oh, yeah. Maison Belliara is going to do the dress. It's ours. Incredible. No one would have bitten a fucking French fashion house winning, but apparently motherfucking Brexit. It was in our favor. Extraordinary, Mario. Extraordinary. It's going to be a big, big push for Maison Belliara. I can't believe it. I'm still pinching myself. Oh, my God. Bravo, oh, my God. Bravo, Alexandre. Thank you. Thank you, Mario. Look, I had a very short meeting with Princess over Zoom. Oh, my God. I'm going to talk about it later, okay? Like, already my mind is just buzzing with ideas. Babe, babe. Just leave everything. Nous avons dans nos murs, depuis 2021, une jeune troupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mutualisée avec le Centre dramatique national, la Comédie de Colmar. Ensemble, nous avons créé une troupe régionale composée de 6 artistes sortis récemment d'École nationale. Vous les retrouverez sur scène cette saison dans plusieurs cartes blanches, plusieurs créations en itinérance. Ils seront en tournée dans nos productions et dirigeront aussi des stages, des ateliers. Vous aurez ainsi plein d'occasions de les rencontrer à la Comédie ou ailleurs. François Charon, Léna Rossetti et Ryan Huertani s'installeront à Colmar pour une année entière et ils sont avec nous dans la salle, quelque part. Ah, ils sont là. Ça va ? Voilà. C'est eux. Et à Reims, ce seront Asma Messaouden, que vous avez déjà vu dans le Firmament, Alexis Mullard, jeune auteur sorti récemment de l'ENSAT à Lyon, et Jacques-Joël Delgado, qui est très content que la Comédie soit si près du stade, parce que c'est un grand fan de foot, qui nous vient de Lyon également. Et ce sont eux qui vous présentent la Comédie itinérante. Bonsoir. 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 Donc, la Comédie itinérante, c'est 3 spectacles par saison pour aller à la rencontre des publics dans les territoires ruraux de 30 minutes à 2 heures autour de Reims. Cette saison, ce sont Simon Delétan, Elsa Agnès, la troupe et Chloé Dabert qui vous emmènent sur les routes et chez notre partenaire La Boussole dans le quartier Croix-Rouge. Et en cette rentrée, nous répétons Faraway de Caryl Churchill avec la nouvelle jeune troupe et Sébastien qui joue également dedans. Le format court et léger qu'impose l'itinérance et la relation directe immédiate au plus proche des spectateurs et spectatrices nous permettra de partager l'essence même de ce texte singulier et les questions qu'il nous pose sur la guerre, l'écologie, le travail, la solidarité ou encore le libre arbitre et d'échanger sur ce qui nous effraie et nous émerveille à la fois. Et le second spectacle s'appelle « Retour » au pluriel. C'est un texte de l'auteur norvégien Fredrik Bradberg qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui attendent désespérément le retour de leur fils qui a disparu dans une avalanche. Jusqu'au jour où le fils réapparaît, la vie reprend son cours normal, mais le fils disparaît à nouveau, puis réapparaît encore, puis redisparaît, puis réapparaît et encore, La douleur des parents d'avoir perdu leur enfant unique fait place petit à petit à l'exaspération de le voir réapparaître sans cesse. Et donc la pièce commence dans le drame et finit par nous faire mourir de rire. Et la troisième pièce, qui sera écrite par Alexis pour Asma et Jacques Joël, elle est conçue pour jouer en itinérance, en entreprise et à la boussole. Et elle sera mise en scène par Elsa Agnès, artiste associé que vous connaissez déjà, puisqu'on a accompagné son premier spectacle, Le Caméléon, et qu'elle joue Mary Middleton, pour ceux qui l'ont vu dans Le Firmament. Et peut-être que vous pourriez nous dire un peu où vous en êtes de cette pièce, de cette création. Pardon. Désolé. Pardon. Merde. C'est moi. Non, pardon. Vraiment, désolé. Désolé. Vous alliez... Oui. Par là Oui. Vous êtes... Oui. Vous travaillez ici? Est-ce que je travaille ici? Pourquoi? Pourquoi vous travaillez ici? Pourquoi vous me posez cette question? Ses mains? Ses yeux? Ses cernes? Ses ongles? Pas changé? Toujours le même. Oui. Quoi?
C'est moi. Oui. Vous m'avez... Oui, posé une question. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Souris. Depuis combien de temps? Il a maigri. Sa voix? Respire. Je peux pas la laisser comme ça. Par où commencer? Donc c'est un texte que je suis en train d'écrire, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est que je vais pouvoir partir en résidence dans des entreprises tout autour de Reims, où je vais pouvoir faire des rencontres et être immergé dans la vie de l'entreprise pendant quelques temps, et pour écrire. Donc ce sera mis en scène par Elsa Agnès, qui est artiste associée à la comédie. Et il sera question du travail, du retour et de ce que c'est que de grandir en campagne et d'y revenir pour travailler. Le texte sera écrit dans une adresse directe au public, ou en tout cas dans un rapport frontal avec le public, puisque ce sera une forme sans scénographie, sans lumière, sans son, etc. Donc d'être dans un contact direct qui alternera entre des moments de récit et de dialogue avec humour, on va essayer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quatre futurs musiciens classiques se confient sur l'apprentissage de leur art. Séverine Chavrier, nouvelle directrice de la Comédie de Genève, a recueilli et réécrit leurs témoignages. Interprétés par ces quatre jeunes musiciens dans un important dispositif vidéo, nous accueillons Aria Dacapo en partenariat avec l'Opéra de Reims en novembre, et c'est Adèle Joulin, interprète du spectacle, qui vient nous en parler. Bonsoir Adèle. Ça va? Oui. Bah tu choisis. Bonsoir. Donc Aria Dacapo, c'est un projet qui est né en 2018, qui est né de la rencontre qu'on a faite avec Séverine Chavrier, donc la metteur en scène. Et elle voulait, ça l'intéressait de monter un spectacle qui parlait de l'adolescence, non pas en écrivant leur histoire, mais en leur donnant la parole. Et donc on est quatre sur scène. À l'origine, on n'est pas du tout comédien, on vient pas du tout du théâtre, on est musicien. Et quand elle nous a rencontrés, on était tous les quatre au Conservatoire d'Orléans en musique. Et on se destinait, pour la plupart d'entre nous, à être musicien classique professionnel dans notre vie. Et donc, c'est un spectacle dans lequel elle nous a laissé la liberté de nous raconter avec nos propres mots, notre propre langage, qui passe aussi par l'utilisation de la vidéo en direct. Et ça parle de comment, à cet âge, on peut concilier les enjeux qu'on rencontre à l'adolescence, nos volontés de découvrir, d'explorer tout ce qui se passe de nouveau à cet âge-là, et comment concilier ça avec l'extrême rigueur et discipline que nous demande l'apprentissage de la musique classique, et comment on évolue aussi dans ce milieu, dans ces milieux assez rudes. Et donc, dans ce spectacle, on nous voit adolescents discuter comme si on était dans nos chambres, et comme si le public nous regardait par le petit trou de la serrure de notre porte. Et donc il y a cette intimité qui nous laisse aussi libres de nous raconter avec notre langage et de parler de nos vies, de nos expériences, de notre apprentissage, notre amour de la musique. Tout ça aussi sous le prisme de l'amitié masculine et de comment on se raconte l'un l'autre quand on est... pour les deux plus grands garçons qui sont très amis en dehors du projet aussi. Et dans tous ces échanges s'intercalent aussi des interludes ou des tableaux où on vient jouer de la musique sur scène en direct, en tout cas du violon, du basson, du trombone, du chant et du piano. Ok, bah, merci. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est à moi ça ? Non, j'ai pas la... Ah si, j'ai là, c'est à moi. Ah oui, c'est à moi. J'avais zappé la taille. Deux sœurs est une pièce en forme de conte qui lie plusieurs générations de femmes. L'autrice, Marine Bachelot Nguyen, part à la recherche de ses origines, à la recherche de la famille de sa mère. Et Océane Mozas, qui porte ce projet et joue dedans, y incorpore ses propres souvenirs de famille. Elle revient d'ailleurs d'un long voyage au Vietnam. Et lors d'une carte blanche à l'automne dernier, à la Comédie, elle est venue éprouver ses premières pistes de travail. Elle ne pouvait être malheureusement pas là ce soir, alors elle a confié les premiers mots de son texte
Ah, Elsa Agnès. On a beaucoup employé ce prénom et ce nom ce soir. On en a beaucoup parlé, la voilà. Je les reconnais, je t'ai reconnue. Je reconnais cette intranquillité que tu avais, cette agitation intérieure, toujours en mouvement, en activité, jamais au repos. Durant mon périple, elles étaient là. Elles m'ont souvent prise sous leurs ailes. J'ai eu une immédiate complicité avec les femmes là-bas. Elles possèdent comme toi ce tempo intérieur si particulier. D'un calme, très calme, tu pouvais te mettre en branle et on eût dit une tempête qui se lève sans explication aucune. Le rythme s'accélérait. Il n'était plus question d'être à la minute, mais à la seconde près. Le temps se réduisait et devenait une matière très dense, une force atomique qui écrase tout sur son passage. Impossible de ne pas les suivre. Impossible, ces femmes, impossible de ne pas te suivre. Leurs désirs sont inflexibles. Leurs désirs sont des ordres, ils découpent l'air comme une épée tranchante. Elles tiennent des cafés, elles tirent des chariots ambulantes, elles parlent anglais sans même avoir parfois appris à lire. Dans les marchés couverts, elles coupent, elles tranchent, elles sectionnent les tendons d'énormes morceaux de viande. Elles sont devenues des déesses à présent. Vraiment dommage que leur temple ait été fermé. Toi aussi, tu avais le goût du spectaculaire. Tu avais une véritable inclination pour les films d'action. Plus l'intrigue était menée tambour battant, plus les méchants assumaient leur vilainie et leur coup tordu, plus les rires fusaient en cascade. Tu avais alors la crédulité d'une enfant. Tu étais toujours prête à croire. Tu me posais souvent des questions sur mon métier. Est-ce que je gagnais beaucoup de sous ? Il fallait gagner sa vie, voilà tout. C'était là l'essentiel, toujours cette intranquillité. Tu étais venue me voir jouer Mademoiselle Julie. J'avais 19 ans, c'était une de mes premières fois sur scène. J'incarnais Mademoiselle Julie et dans un grand moment de désespoir, mon personnage dans la mise en scène devait ramper sur le sol et pleurer. Tu étais dans la salle, tu t'étais levée d'un bond et avais demandé tout fort, avec ton accent très prononcé, à ce qu'on arrête la représentation. On avait réussi dans le public à calmer ton angoisse et à laisser se dérouler la pièce. Je t'avais retrouvée plus tard sur le parvis du théâtre et tu m'observais encore avec défiance et suspicion, toujours convaincue que ce que j'avais vécu était vrai. Voilà. Merci. Icar, c'est notre second spectacle en partenariat avec l'Opéra de Reims cette saison. Et maintenant, j'accueille Pascal Néron, co-directeur de l'Opéra, pour venir nous en parler. Bonsoir. Ça va ? Ça va, toi ? Ouais. Salut. Ça va ? Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Il faut que tu prennes un micro. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, il faut que tu nous parles d'Icar. Icar, c'est un spectacle déjà que j'ai adoré. Ça part de là. Et ensuite, c'est un spectacle vraiment réjouissant. C'est vraiment une relecture de Guillaume Barbeau, du mythe d'Icar, mais avec une spécificité. Il y en a deux, je dirais. C'est un grand spectacle sur la relation père-fils. C'est un grand spectacle là-dessus. Et je dirais même sur trois générations. Grand-père, père, fils. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est un spectacle qui est porté par deux acteurs qui sont incroyables, avec une scénographie qui est impressionnante, avec la comédienne est aussi circassienne, et puis aussi un ensemble, Les Ombres, qui est un ensemble de musique baroque. Et donc vous allez trouver sur scène aussi un ou une joueur ou joueuse de viol de gambe, voilà, qui accompagne tout le spectacle. C'est un spectacle très visuel. On peut vraiment venir avec ses enfants et ses petits-enfants, je dirais à partir de 5 ans. Et voilà, on est ravis de faire ça avec vous, avec la comédie. On est arrivé il n'y a pas si longtemps, nous, à l'Opéra, et on a déjà trouvé des intérêts communs à programmer des spectacles qui nous correspondent ensemble. Voilà, et donc on est ravis de vous le présenter. Et bien, nous aussi. Et merci. Et merci. Bonne soirée. À tout de suite. Merci. Et donc, le spectacle est présenté à l'Opéra. Ah oui. Voilà. Merci, Pascal.
c'est à moi, non? Ah, c'est à toi. Oui. Grande peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. Mise en scène de Gilly Duclos. C'est un spectacle, c'est une création dont la première aura lieu à Rennes début octobre. Donc nous n'avons donc pas de photos ni de vidéos. Mais je peux vous parler un peu de ce que ça raconte. En fait, l'intrigue se déroule dans les années 30, au moment où Hitler arrive au pouvoir par le vote. Important. Cette pièce est une suite de courts tableaux. Il n'y a pas une histoire à proprement parler, mais des histoires. Et donc, à l'arrivée du fascisme, tous les rapports sont bouleversés, toutes les classes sociales sont affectées, les ouvriers comme les bourgeois. Le quotidien des gens, leur intimité au travail, chez eux, tout est modifié. La peur, les arrestations, la paranoïa, la délation s'insinuent petit à petit dans la vie des gens qui finissent par se surveiller les uns des autres. Et donc, à partir de là, aucune pensée ne peut s'exercer librement, aucune parole. Sous un dôme immersif dans lequel on entre comme dans un vaisseau, Drift est une performance qui retrace le voyage interstellaire d'une spationaute. On part à la découverte d'un autre système solaire, embarqué dans un dispositif qui mêle son, lumière et images 3D. Une proposition de Frédéric Delia, tout public à partir de 7 ans, que nous recevons dans le cadre d'Intercal. Tant de choses existent que nous, humains, ne pouvions pas voir. On croyait l'univers vide, et pourtant, il y a les fils d'électrons tirés sur des dizaines d'années-lumière comme des cordes de harpe. Plus on regarde l'univers, plus il se remplit, plus il se remplit, plus on le voit bouger et danser. Tout ça tourne vite, tellement vite qu'on a un peu de mal à suivre. Oui, je vous ai pas dit, c'est un spectacle qui a lieu sous un dôme. Voilà, c'est pour ça que, voilà, pour que vous compreniez les images que vous venez de voir. Pardon. On ne sait pas où il sera, ce dôme. Non, on ne sait pas. Bon. Alors, Diptyque, fin janvier, nous accueillerons deux spectacles réunis dans une même soirée, écrits et mis en scène par Marc Lenné. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui se rencontre dans les années 70, premier spectacle, un tract, puis qu'on retrouve 20 ans plus tard, dans les années 90. Liliane et Paul se rencontrent dans un train, un peu après mai 1968. Elle vient de province, et d'un milieu ouvrier, et lui est un intellectuel parisien, un auteur reconnu. On va suivre leur histoire d'amour, la poursuite ou non de leurs idéaux de jeunesse, et le conflit des classes qui vient s'interposer rapidement entre eux. Petit extrait. Je travaille au bazar de l'hôtel de ville, mais c'est provisoire. Et le petit ami ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Non, est-ce que c'est provisoire ? Bah non, pas du tout. Bah. Quelle question ! Mais on se dispute souvent. Avait-il seulement pris le temps d'observer la danse nerveuse des gouttelettes de pluie sur la vitre du train lancée à toute vitesse dans la plaine ? Tu réalises pas que je ne dis tout ça que pour ton bien. Tu sais d'où tu viens ? Tout va bien. Ah ouais, non mais oui, non mais pardon de le dire, mais voilà. Devenir professeur de philosophie, c'était quand même inespéré. Je sais très bien d'où je viens, Paul. Phallocrate. La question, c'est pas d'où je viens, c'est qui je suis aujourd'hui. Liliane ! Paul ! Pardon, je t'ai surprise. Hé ! Je vais quitter mon éditeur. Pour eux, je suis qu'un has-been. Un has-been. Et on parle d'un écrivain qui a eu le Renaudot et le Goncourt coup sur coup, quand même. Cette histoire, c'est celle de notre couple. Non, 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 pas du tout. Liliane ! Ça fait 17 ans qu'on s'interdit de s'aimer parce qu'on est persuadé que cet amour est impossible, mais on a tort ! T'es un grand malade ! À chaque fois que je me retrouvais en sa présence, je sentais une colère sourde palpiter en moi. Moi, j'ai écrit mon premier roman la nuit pendant que j'étais prof, ma chérie. Mais la nuit, moi, je m'occupais d'un nourrisson, Paul ! Je regrette rien, Martin est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ah.
Faraway, Festival des Arts à Reims, est porté et organisé de manière collégiale par la Cartonnerie, Césarée, la Comédie, le Frac, le Manège, Nova Villa et l'Opéra de Reims. Cette édition 2025 met sur le devant de la scène les artistes agitateurs et agitatrices d'Europe du Nord. Des États baltes aux îles britanniques en passant par les pays nordiques, cette excursion artistique porte un regard captivé sur la richesse de la création contemporaine et la diversité des identités qui irriguent ces territoires. La totalité de la programmation du festival sera dévoilée le 25 novembre prochain, ici, à la Comédie. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir cette année la soirée d'ouverture de cette 6e édition, le mercredi 29 janvier. Et donc, pour commencer ce festival, c'est la première fois que la metteuse en scène américano-lituanienne Yana Ross viendra jouer un de ses spectacles en France, et donc à Reims. Cette habituée des grandes scènes européennes de Berlin à Vilnius, en passant par Bruxelles, Zurich notamment, mettra en scène les acteurs suédois du théâtre de Göteborg dans No Words, d'après le texte L'abîme de Maya Zad. La pièce met en scène un dîner entre amis, entre quadragénaires, aisés, dans un quartier bobo berlinois. Les discussions évoquent toutes sortes de sujets, l'aménagement de la maison, les enfants, la vie de couple, le cinéma, l'écologie, la musique, les maisons de campagne, les questions politiques du moment. Et les scènes pourraient se dérouler dans n'importe quelle ville occidentale. Et au cours de la soirée, les personnages sont confrontés à une tragédie brutale. Et les personnes s'avèrent incapables de réagir d'une manière humaine. Toutes les valeurs humanisme développées tout au long de la soirée sont remises en question. Dans Faraway, toujours, Paris et Mickey. En 1993, Anvers est capitale culturelle de l'Europe et les murs de la ville sont couverts d'affiches sur lesquelles on peut lire la question suivante. L'art peut-il sauver le monde ? 30 ans plus tard, cette question n'a pas lâché Michael de Kock, actuel directeur du KVS, grande institution théâtrale flamande à Bruxelles. Pour tenter de répondre à cette question, le conférencier nous entraîne dans un véritable road movie. Il nous raconte comment, excité un jour par l'atmosphère d'un des plus célèbres festivals de musique électronique, il embarque Paris Hilton, et nous avec elle, dans une visite guidée des plus inattendues de son théâtre. L'approche de Michael de Kock donne lieu à des discussions animées sur la haute et la basse culture entre l'homme de théâtre intellectuel et la reine du selfie. Sans se départir du cadre politique, il nous livre une défense brillante, honnête et parfois véritablement drôle de ce qui nous unit toutes et tous, la recherche de la beauté, de l'émotion et du bonheur. On est toujours dans Faraway. Une pièce pour les vivants en temps d'extinction. Le texte, plein d'humour de Miranda Rose Hall, questionne l'effondrement du vivant. Alors, pour ne pas trop y contribuer, Cathy Mitchell a conçu ce projet avec pour défi de fabriquer un spectacle dans une sobriété écologique maximale. Pas de transport, pas d'électricité, rien. Pour respecter ce cahier des charges, ce spectacle doit être recréé à chaque fois, dans chaque pays d'Europe, dans une nouvelle version, puisqu'évidemment, on ne peut pas déplacer les artistes ni le décor, donc il faut recréer. Et à Reims, c'est notre artiste associé David Jesselson qui propose sa propre version de cette pièce. Alors, ça ne se voit pas sur les photos. Et le générique a un peu changé par rapport à ce que vous avez dans les mains. Mais David a réuni une grosse équipe d'interprètes, donc plusieurs musiciens, pour nous parler de la 6e extinction de masse, avec l'humour qu'on lui connaît et la dérision, et nous apporter l'énergie de ce groupe et leur détermination pour nous prouver que tout n'est pas encore perdu. Et au-delà, rien n'est sûr, de Monica Isaacstuen, sera une mise en espace par Véronique Bellegarde, la directrice du Festival de la Mousson d'été, avec qui nous sommes en partenariat. Et nous avons créé, au sein de la Comédie, un comité de traduction, afin de rechercher et de traduire presque en instantané des textes étrangers qui ont été écrits dans l'année. Et donc le premier texte que nous avons fait traduire ici même est « Au-delà, rien n'est sûr », la dernière pièce de cette Norvégienne, traduite par Marianne Segol. À l'aide d'une langue minimaliste, l'autrice invente une histoire de femme moderne et actuelle.
Une mère qui devrait être présente, mais qui n'est pas tout à fait. Un père qui est là, et qui, devant lui, a 16 variations de la même femme qu'elle aurait pu être. Et vont se succéder, devant lui, 5 comédiennes. Je parle de moi à la troisième personne, c'est incroyable quand même. Ah, c'est toi qui fais ça ? C'est moi qui fais ça. Ah ben c'est encore à moi. Memory of Mankind, un spectacle qui questionne la mémoire sur toutes ses formes. Au fond d'une mine de sel en des Alpes autrichiennes repose une archive appelée la mémoire de l'humanité, qui a été conçue par un céramiste, Martin Kunze. Et depuis 2012, il crée et stocke une série de tablettes en céramique contenant des textes et des images destinées à sauvegarder la civilisation humaine et à préserver les savoirs issus de notre époque moderne. Et c'est une histoire vraie. Et donc, mêlant transcription d'interviews et fiction, le metteur en scène suédois Marcus Linden et la dramaturge Marianne Segal entremêlent habilement l'histoire réelle de Martin Kunz avec deux autres histoires vraies. Celle d'un homme qui souffre d'une rare forme d'amnésie qui efface régulièrement toute sa mémoire, et celle d'un archéologue queer qui interroge notre rapport à l'histoire hétéronormée. Et on voit le dispositif que vous voyez, donc les spectateurs sont tout autour de ces quatre personnages. Voilà, on ne voit plus rien. To be a machine 2.0, ce sera la première en France de cette installation. La compagnie irlandaise Dead Center propose une expérience unique et immersive entre réalité virtuelle et théâtre, en explorant à travers un thriller dans lequel vous serez intégré, comment la réalité virtuelle sera bientôt plus immersive que la réalité elle-même. Donc c'est une installation au casque, donc avec un casque VR et des écouteurs. Donc vous rentrez, vous êtes dans le film, vous êtes pris en photo, vous êtes dans le film, et vous, voilà, voilà, vous allez vivre une expérience assez singulière. Il faut vite s'inscrire parce qu'il n'y a que 10 casques à chaque fois. Et voilà. Radio Live Vivante entame un nouveau chapitre du projet Radio Live conçu par Aurélie Charon et Amélie Bonin, accueilli depuis de nombreuses années à la Comédie en partenariat avec Nova Villa. Ici, trois jeunes femmes qui ont grandi dans des pays en guerre, Syrie, Bosnie, Ukraine, partagent leur récit de combat, de transmission et de courage. Monsieur, pour la suite des échanges que nous allons avoir, vous aurez la possibilité de vous taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées. Je répondrai à toutes les questions, madame. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, monsieur, il n'y a aucune difficulté. Vous dites juste, moi, je ne réponds pas à ça, et le tribunal passera à la question suivante. Monsieur, vous êtes présenté sous la procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui ou est-ce que vous demandez un délai pour préparer votre défense? Jugez aujourd'hui, s'il vous plaît, madame la juge. Aujourd'hui, très bien. Voilà les justificatifs. Merci. Merci. Fruit de nombreuses rencontres avec des avocats, des magistrats, des victimes et des détenus, le spectacle Léviathan, créé lors du dernier festival d'Avignon, s'intéresse aux lacunes de la justice institutionnelle. Pendant plusieurs mois, une partie de l'équipe artistique s'est immergée dans la 23e chambre du tribunal de Paris, où ont lieu les procédures de comparution immédiate. Cette procédure simplifiée et expéditive, qui est une exception française, juge l'auteur présumé d'une infraction à sa sortie de garde à vue. Publique et durant en moyenne moins de 30 minutes, elle est de plus en plus répandue et favorise largement l'incarcération, puisque 70% des peines prononcées correspondent à des peines de prison ferme. Organisée autour de trois comparutions significatives, Léviathan interroge la validité de cette procédure. Sous un chapiteau imaginé comme un tribunal de fortune, Léviathan tente de renverser certaines évidences par-delà le bien et le mal, nous confrontant au dilemme de la violence, à son exercice légitime et à sa régulation par le droit. C'est un spectacle de Lorraine de Sagazan, dont vous avez déjà pu découvrir un sacre la saison d'avant. En partenariat avec le Manège, scène nationale de Reims, nous accueillons en février une maison de poupées et c'est Bruno Lobé qui devrait être par là.
Il est là ? Ah oui. Oui, il est là. Bonjour Bruno. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu depuis les vacances. C'est vrai ça. Bonjour monsieur. Ça va ? Ça va. Là, du coup, voilà, c'est les lunettes. Hop, tu veux pas te mettre avec moi ? Bah, ok. Tu fais comme tu veux. Comme ça, il est entre nous deux. Comment ? Comme ça, t'es entre nous deux. Et bah alors, tu dois nous présenter une maison de poupées. Direct. D'abord, je vais parler de Ingrid Aspeli. Ingrid Aspeli, c'est une... Il n'y a pas de micro, en fait. Ça va. Ah, si, pardon. Si, tiens. C'est pour ça. Ah oui. Je te remercie. Désolée. Donc, je vais parler d'Ingvild. Tu as la bonne place aussi. C'était là que tu. Ah, pardon. Ça va ? Ok. Ingvild Aspeli, c'est une metteuse en scène. Attends, d'abord, Jouy. Bonjour au parvis. Voilà. Ingvild Aspeli, c'est une metteuse en scène, une marionnettiste norvégienne. Elle a étudié un peu partout, et notamment à l'école supérieure, l'école nationale supérieure de des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Elle a été artiste associée au manège il y a 3 ans, normalement pour 3 saisons. Mais tant mieux pour elle, elle a été nommée à la direction d'un lieu de création dans le nord de la Norvège. Enfin, je ne suis pas encore allé, mais je rêve d'y aller. C'est dans les archipels de je ne sais plus quoi, dans le nord de la Norvège. Voilà, ceci étant dit, elle a monté donc Ibsen, comme plein, j'imagine, de metteurs en scène l'ont fait déjà avant elle, mais elle l'a fait, enfin, j'imagine que d'autres l'ont fait aussi, mais elle l'a fait magnifiquement bien. Elle est en fait seule sur scène, elle joue le rôle de Nora, mais elle est seule sur scène, et du coup, elle manipule elle-même toutes les marionnettes à taille humaine. Elle fait le banquier, le créancier, elle fait le mari, elle fait les enfants. Elle est absolument incroyable. Voilà, les dates sont marquées. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai envie de dire des trucs encore, mais... Au manège, tu peux dire aussi. Comment ? Et c'est au manège, c'est au théâtre du manège. Mais j'espère que vous l'avez bien écouté, parce qu'à la présentation de saison du manège du 12 à 19h, vous en parlerez, vous. Bien sûr, ceci étant dit, j'ai réussi à le caser. Voilà, elle est déjà venue au manège, peut-être vous l'avez déjà vue dans des pièces. Elle est passée dans Chambre Noire, une pièce magnifique sur la vie de Valérie Solanas, la fille qui a tiré sur Andy Warhol. Et là, déjà, elle travaille beaucoup avec la musique, et même quand elle joue, du coup, c'est assez musical. Écoutez, et c'est elle qui sera sur scène, parce qu'il y a 2 distributions. Et pour Reims, parce que nous sommes très proches d'elle, elle sera là elle-même, et elle est sur le plateau, elle est magnifique. Merci Bruno. Tu vas prendre un spectacle qui va jouer au manège, c'est ça ? Chambre Noire. Oui, mais vous y avez participé, ah quand oui. Même, vous aurez la moitié de la billetterie. Oui, bien sûr. Puisqu'il faut en parler. Merci Bruno. Avec plaisir, salut. Tu restes, hein ? Tu restes un peu ? Alors, histoire d'un CID. Le travail de Jean Bellorini a toujours été... Non, ce n'est pas une phrase française. Oh merde. Son travail a toujours été de rendre accessibles tous les textes, tous les textes, même les plus difficiles. Et donc ici, il fait de son CID une version de conte d'enfant. Donc on voit sur l'image que dans le décor, c'est un château gonflable. Et donc le CID, avec lui, c'est plus proche d'une comédie, voire de la clownerie, que de la tragédie. Donc 4 jeunes gens sont chargés de nous faire revivre l'amour impossible de Rodrigue et de Chimène et de nous faire réentendre les grandes répliques en alexandrin, les grands tubes que tout le monde connaît, les punchlines nommées telles quelles dans le spectacle. Orage au désespoir, la valeur n'attend pas le nombre des années, nous partîmes 500, mes parents pour renfort et je vous laisse continuer. Voilà. Pas dit, je ne te hais point. Mais les gens connaissent. D'après les mémoires de Simone de Beauvoir, Les Forces Vives, c'est une grande fresque théâtrale conçue par Animal Architect, compagnie qui nous vient d'Alsace, et j'accueille Camille Dagen, autrice, actrice et metteuse en scène du spectacle. J'ai l'impression d'être chez le psy. Qu'il y a un divan et quelqu'un à côté, c'est très impressionnant et agréable à la fois. Ça va, Camille ? Tu vas t'allonger ? Et vous, ça va ? Ça va ? Vous, pas trop chaud ? Dehors, ça va ? Je ne sais pas où on est filmé. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. N'y pense pas. D'accord, très bien. Bon appétit pour ceux qui mangent. Chloé, je t'avais dit de me poser une question, mais en fait, ne me pose pas de questions. Bien sûr. Voilà, ce qu'on prépare en fait. Alors, je me suis dit que je pouvais peut-être vous dire un peu d'où était parti le projet. Donc, on a décidé de travailler à partir des mémoires de Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir, elle naît en 1908 et elle meurt en 1986. Et un des points de départ du projet, c'était de se dire que, du coup, ce matériau nous permettait vraiment de traverser le siècle. Donc, quand je dis « nous », l'équipe avec laquelle je travaille, à une exception près, on est nés dans les années 90, début 2000. Il y en a qui ont assisté à la Coupe du Monde 98 et d'autres pas. Mais voilà, donc c'est des choses qu'on n'a pas connues. Et il y avait ce désir de se dire comment on peut se créer des souvenirs de moments qu'on n'a pas vécu, mais qui quand même imprègnent notre contemporain, quoi. Et des souvenirs sensibles, parce que ce qui est très fort dans les mémoires, c'est qu'en fait, Beauvoir, elle a une vraie attention au sensible, au concret, au charnel. C'est-à-dire que tout à coup, on a accès à une vraie expérience. Pour le dire un peu simplement, on ne s'est pas demandé quelle petite fille était Simone de Beauvoir ou qu'est-ce que c'était la Première Guerre mondiale. On s'est demandé qu'est-ce que ça fait d'avoir 6 ans en 1914, en essayant d'y rêver aussi très concrètement. Le cœur un peu du spectacle, c'est ça, c'est ce lien indissociable entre comment on se métamorphose dans la vie, avec des expériences très communes, quoi, c'est-à-dire grandir, vieillir, rencontrer des amis, rencontrer des amours, et se dire que ces moments de changement sont indissociables des changements historiques, c'est-à-dire l'évolution du temps, quoi. Donc, vous le voyez un peu sur les photos, c'est un spectacle qui bouge beaucoup, où Simone de Beauvoir est interprétée par différentes actrices à différents âges. Il y avait ce désir d'un grand passage de relais, d'un plateau en mouvement qui évolue avec le temps et avec sa perception à elle. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un spectacle en deux parties. Donc la première partie, c'est on s'attache vraiment à Simone avant de Beauvoir, c'est-à-dire le moment où elle n'est pas encore cette figure un peu iconique qu'on a tous en tête, un peu austère avec le turban. Enfin là, c'est vraiment plutôt la petite fille, l'adolescente et la jeune femme. Et on a mis un peu l'accent sur la question de, parce que c'est très présent dans les mémoires, comment on se construit et comment on change du cadre, on dévie du cadre qui était prévu pour vous. Parce que de Beauvoir, elle naît dans une famille très catholique, très conservatrice, très patriarcale, on dirait nous aujourd'hui. Et pourtant, elle a une petite enfance très heureuse. Donc qu'est-ce que ça fait de rompre et qu'est-ce que ça suppose comme énergie de rompre progressivement avec là d'où on vient pour devenir quelque chose d'autre. Et voilà, la première partie va jusqu'à sa trentaine, donc le début de la Seconde Guerre mondiale. Et dans la deuxième partie, on prend un peu un autre point de vue, c'est-à-dire que pour le coup, on est dans un point de vue contemporain, où on essaie de regarder un peu ce que Simone de Beauvoir sait pour nous historiquement et notamment politiquement. Donc c'est un travail vraiment... Plus documentaire, où on voit les acteurs tout à coup dans leur grande simplicité. Et on s'est intéressé particulièrement à deux choses. D'une part, on a beaucoup joué avec les archives qui correspondent à la réception du deuxième sexe, parce que c'est un livre qui a été détesté, qui a passionné les gens, et donc on s'est beaucoup amusé à faire entendre les voix de cette époque et puis jusqu'à aujourd'hui qui tournent autour de cet objet un peu culte. Et on s'est intéressé aussi à un moment de l'histoire de France auquel elle donne beaucoup d'importance dans le dernier tome, qui est la guerre d'Algérie. Et voilà. Et on est sept au plateau. Et c'est un spectacle qu'on a beaucoup répété à Reims, à l'atelier. Et donc on est vraiment super heureuse et heureux de revenir pour vous le présenter. Merci Camille. Merci. Merci. Pour présenter les deux spectacles que nous accueillons avec Nova Villa dans le cadre de la prochaine édition de Mélimum, j'accueille Monsieur Joël Simon. Oui. Salut Chloé, c'est ça va? Ça te va là? Oh, très bien. Bonsoir. Juste dire un mot de Radio Live parce que tu en as parlé. Donc, j'ai vu la nouvelle version de Radio Live, il évolue. Venez le voir, c'est extraordinaire d'émotion.
l'histoire de trois jeunes femmes qui ont vécu la guerre, l'Ukraine, la Bosnie et la Syrie, et la relation avec leur mère. Je ne vous en dis pas plus, mais je suis sorti bouleversé. Donc, c'est Far Away, voilà. Je présente les deux textes. Il y a deux spectacles. Alors, premier spectacle, une particularité des deux spectacles, ils ont eu tous les deux l'aide à la création. Ils ont été lauréats d'Arsena, donc qui est un signe de qualité. Hein, avec Sébastien, on a fait partie de cette commission, et je trouve que c'est vraiment un gage de qualité que ces deux textes-là soient mis en scène. Alors, le premier, le jour où j'ai compris que le ciel était bleu, c'est un texte et une mise en scène de Laura Mariani. Alors, en fait, c'est l'histoire de Claire. C'est une jeune femme, elle est autiste, elle a 27 ans. Elle a qu'un seul rêve, elle veut devenir chanteuse et participer à une émission de télé qui s'appelle To Be a Star. Et en fait, Laura Mariani, à travers ce spectacle, pose la question de la normalité, nous parle des différents, des accompagnants, des soignants. Et en fait, en préparant ce texte-là, cet après-midi, moi, j'ai pensé aux Jeux paralympiques. Et ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous avez vu cette jeune femme qui s'appelle Aurélie Aubert, qui a gagné la médaille d'or avec la boccia. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose, un lien entre Claire et puis Aurélie, et dans le travail de Laura Mariani, de montrer en fait toutes ces, d'interroger la norme et de nous montrer la différence et de changer notre regard. Alors l'histoire en fait, c'est Claire, suite à une agression de son voisin, réagit violemment, il est plongé dans un coma fatal. Claire se retrouve dans un hôpital psychiatrique qui va être le lieu de la pièce. Alors il y aura deux pistes qui vont être explorées, la préparation du procès avec le diagnostic psychiatrique, et puis le deuxième, qui est le désir obsessionnel de Claire de passer dans une émission de télé. Ce qui est bougrement intéressant dans ce spectacle, c'est que Laura Mariani pose des questions, c'est quoi la norme? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment elle a bossé, elle a animé un atelier de théâtre avec des personnes en situation de handicap, et elle a rencontré, pour être au plus près de la vérité, psychiatre, avocate pénale, éducateur spécialisé, autiste. Et là, j'ai découvert, mais je n'ai pas vérifié si c'est vrai, mais on n'est pas autiste, on le devient, et il y a une personne sur 150 dans le monde qui l'est. Donc, Laura sera jouée par Pauline Cassan-Clair, et il y aura 6 comédiens sur scène. Et intéressez-vous, je ne sais pas si vous allez regarder dimanche soir la cérémonie, mais les journalistes souhaiteraient que ce soit Aurélie, cette jeune femme qui est fortement handicapée, qui soit porte-drapeau pour la France. Je fais un lien entre ces deux événements, ce spectacle et voilà, cette jeune femme. Donc ça, c'est le premier spectacle de Mélie Mombe. Le deuxième, c'est Horizon Légende. C'est un texte qui est écrit par Pauline Guilherme, qui l'a mise en scène aussi. Alors, un petit mot sur Pauline. En fait, c'est une jeune femme qui a été assistante sociale jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis, je pense qu'elle ne retrouvait pas son compte, donc elle a repris des études universitaires pour devenir auteur, autrice plutôt. Donc, elle a fait une licence. Après, elle a fait un master écriture de romans. Et elle s'est lancée dans l'écriture d'un texte qui est vraiment magnifique. Il est édité chez Lanzmann. Alors, l'histoire... Alors là, on va parler des migrants. C'est l'histoire d'Elijah. C'est un jeune qui vient d'un pays qui n'est pas nommé, mais on pourrait imaginer que c'est le Sénégal, qui arrive dans un autre pays qui n'est pas nommé, mais on peut penser que c'est la France. Donc, on va suivre son long parcours de réfugié pour obtenir ses papiers. Alors, il y a 4 situations dans le spectacle. Le premier, c'est pourquoi il part. En fait, son père se noie. Son père est pêcheur de crevettes. Son père se noie, il remplace son père. Et en fait, les pêcheurs se retrouvent opposés à la pêche industrielle. Donc, lui, il prend des positions, il est menacé de mort. Donc, en fait, il doit partir. La deuxième situation, c'est son arrivée à Paris avec l'OFPRA. La troisième situation, c'est son long parcours de 52 jours où il va errer dans la ville qu'on peut imaginer être Paris. Un seul jour, il va pouvoir dormir à l'hôtel. Et puis la quatrième situation, c'est quand il va voir être régularisé. Là aussi, c'est
tout n'est pas simple, en fait, parce que le fonctionnaire sur lequel il tombe n'a pas envie de lui donner. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment magnifique, ce spectacle. Alors c'est entrecoupé, chaque situation est entrecoupée par un court texte que moi je vois comme un temps de danse. Donc il y a une seule voix et c'est une narratrice, elle s'appelle Nikita Follon, et un musicien sur scène avec elle s'appelle Maël Gourmelon. Et en fait, c'est magnifique, et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, il faut parler de la situation des réfugiés, des migrants, et que je suis très content qu'on présente ce spectacle avec vous. Voilà. Merci Chloé, merci Sébastien, merci à vous, et puis venez à Mélimôme. Merci Joël. Mois d'avril. Macbeth, auréolide de cette année de deux Molières pour leur précédent spectacle, dont celui du meilleur spectacle dans un théâtre public, le Monstrum Théâtre revient à Reims avec une adaptation de Shakespeare, Macbeth. Je laisse Louis Arren, le metteur en scène, vous en parler. Bonjour, je suis Louis Arren, je suis co-directeur du Monstrum Théâtre avec Lionel Dingelzer et je suis le metteur en scène de Macbeth que nous allons présenter cette saison à la Comédie de Reims. Je vous parle ici depuis la Comédie de Reims, pas en direct, car je suis en juin 2024. Nous faisons cette petite vidéo avec toute l'équipe du Monstrum avec laquelle nous sommes venus répéter ici à la Comédie pendant deux semaines sur le Grand Plateau en fin de saison, où on a pu rentrer dans la chair de notre travail. C'est la première fois pour ce projet qu'on travaillait sur un grand plateau. On est passé de la salle de répétition au grand plateau. On est très heureux d'avoir pu expérimenter un petit peu l'ampleur de ce projet. Alors Macbeth, c'est une adaptation, réécriture à partir de la pièce de William Shakespeare. On a travaillé en collaboration avec un jeune auteur, Lucas Samin, qui a fait une nouvelle traduction et une adaptation à partir des improvisations que les acteurs et les actrices ont pu nous fournir au plateau pour essayer d'offrir une version surprenante de cette pièce. C'est une méditation, une rêverie autour de cette pièce dont on a essayé de s'emparer avec toute la compagnie. Comme toujours dans notre travail, c'est un univers assez foisonnant où l'esthétique a une place importante au travail sur le corps, au travail sur les masques, sur les costumes, la lumière, pour s'emparer de cette pièce très sombre, une des pièces les plus sombres de Shakespeare, mais avec notre malice au Monstrum, on essaye également de l'emmener dans des territoires plus inconnus, de travailler sur d'amener le comique, d'amener la farce aussi dans cette pièce, et puis surtout d'embrasser les ténèbres de cette pièce qui font étrangement écho à l'époque trouble que nous traversons collectivement. C'est une pièce qui parle de la violence du pouvoir, de la barbarie qui contamine les âmes et les cœurs. Mais on espère, malgré tout, ce sera un voyage joyeux et surprenant pour les spectateurs. Et c'est une compagnie Grand Est, quand même, Monstrum. Andromaque de Jean Racine. Donc l'argument de la pièce est assez simple. Oreste aime Hermione, qui elle-même aime Pyrrhus, qui lui-même aime Andromaque, qui elle-même aime Hector, et qui lui-même est mort. Dans un décor minimaliste et épuré qu'on voit à l'écran, une mare de sang recouvre la scène qui matérialise l'horreur de la guerre de Troie. Le metteur en scène Stéphane Braunschweig s'intéresse moins à l'enchevêtrement amoureux qu'aux causes profondes de celui-ci, à savoir la guerre et ses conséquences. Et vous aurez reconnu Bénédicte Chaouti. Songe ces filles à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage et de sang tout couvert, échauffant le carnage. «
Dans un futur lointain, trois jeunes gens, trois clowns, tentent de reconstituer l'état de notre civilisation au XXIe siècle. Ils fouillent, inventorient, analysent les rituels et pratiques de notre ère, notamment cet art étrange qu'est le théâtre, qui n'existe plus depuis bien longtemps. Le Beau Monde, c'est le prix du jury du Festival Impatience, dont nous sommes partenaires depuis 2019. Le spectacle, accessible à partir de 12 ans, sera présenté sous le chapiteau du Palais du Thau. Toi, tu es un acteur professionnel oui. en situation de... Oui. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Ok. Il arrive, oui. de temps en temps, hein, qu'on demande aux acteurs, dans certaines situations, de jouer voilà, oui. dans le plus simple... tu vois, quoi ? Oui. Enfin, on ne va pas faire un énième spectacle contemporain avec des gens à poil, hein, parce que ça suffit. Là. Oula ! Jean-François Auguste et Jean-François Pouliquen se connaissent depuis 18 ans. Le premier a souvent mis en scène le second, mais c'est la première fois que les deux jouent ensemble. Jean-Claude est comédien professionnel au sein de l'atelier Catalyse que nous avons accueilli ici plusieurs fois. Il est le membre le plus ancien et un des piliers de cette compagnie bretonne constituée de personnes en situation de handicap mental. Et bientôt, Jean-Claude va prendre sa retraite. Alors avant ça, Jean-François et Jean-Claude ont décidé de créer ce spectacle ensemble, interrogeant la nécessité du jeu et de l'autre, et éclairant l'amitié entre ces gens, et posant la question de la normalité. Et on accueillera en fin d'année deux spectacles d'Aurore Fattier, qui était artiste associée l'année dernière. Fin mai, Qui a peur ? C'est un couple d'acteurs pour continuer à pouvoir jouer Qui a peur de Virginia Woolf, pièce emblématique d'Edouard Albee, et surtout, surtout pour pouvoir toucher des subventions, décide de recruter deux jeunes comédiens parce qu'ils sont issus de la diversité. Alors, au cours de cette nuit d'audition, dans une atmosphère politiquement incorrecte, baignée d'alcool, de disputes, les deux couples vont rejouer à leur insu la pièce d'Edouard Albee. Et puis au mois de juin, nous accueillerons Paysages avec traces. Bonjour la Comédie de Reims. J'aurais beaucoup aimé être avec vous ce soir, mais malheureusement je ne peux pas car je dirige depuis peu la Comédie de Caen, après avoir été artiste associée à la Comédie de Reims pendant un moment, et je regrette, et je pense bien à vous. Je serais très heureuse de venir présenter cette saison Qui a peur, une comédie cruelle de Tom Lannoy, un auteur flamand bien célèbre, qui est une satire du monde de la culture en général et du théâtre en particulier. Une pièce où on rit beaucoup, que je vous inviterai à découvrir en mai prochain. Et puis, vous pourrez aussi venir découvrir notre spectacle Paysages avec traces, que nous avons créé l'année dernière en itinérance dans le Grand Est, qui là reprend des textes de Baptiste Morisot et Vinciane Després sur les animaux et le vivant. C'est un spectacle tout public, à partir de 7 ans. Et voilà, nous l'avons tourné dans la région Grand Est et nous sommes très très heureuses de venir le présenter à la Comédie. En juin prochain. Voilà, donc au plaisir de vous voir bientôt pour ces deux très beaux spectacles. À bientôt. Il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Ah, 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 non ! Ce sont les humains qui ont un langage ! Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu ? C'est quoi ? Ce quelque chose ? Spectacle créé avec la jeune troupe précédente en itinérance dans les Ardennes. Nous sommes en mai, le 24 mai. Theatre for Democracy, c'est un projet de coopération imaginé par 5 théâtres européens. Les théâtres participants invitent chaque année un groupe d'auteurs et d'autrices internationaux à écrire de brefs textes de théâtre. Ensuite, tous ces textes sont présentés dans chacun des théâtres partenaires en Europe lors de la journée Theatre for Democracy Day. J'ai un accent, je m'excuse pour l'accent. À la Comédie, nous avons choisi de dédier cette journée à la pratique amateur en vous ouvrant nos plateaux. Ce sera donc la troisième édition
N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez participer auprès d'un membre de l'équipe de la comédie qui saura vous orienter. C'est une possibilité de participation en tant que personne individuelle ou en groupe constitué. Voilà, ou si vous avez des amis avec qui vous faites du théâtre, vous pouvez participer. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis, en juin, le dernier rendez-vous de la saison, Une nuit à Reims. Voilà, c'est un rendez-vous, ce sera, on a eu la nuit Molière, puis la première nuit à Reims, ce sera la deuxième nuit à Reims. C'est un rendez-vous qui se construit avec les artistes associés, la troupe, la classe, tout au long de la saison. Donc, l'année dernière, on a fait un karaoké géant sur le parvis. On vous avait vendu un acteur américain très connu à la présentation de saison. Donc là, je pourrais vous dire qu'il va y avoir un feu d'artifice, un escape game. Bon, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura la cartographie sensible de Noémie Sikova qui aura lieu dans le quartier Saint-Rémy cette année, le matin. L'après-midi, il y aura probablement une étape de création de Marie Stuart de Schiller qui sera créée en automne 25, mais donc vous aurez quand même la primeur ce jour-là du spectacle en cours de création. Et puis surtout, parce que ça a lieu tous les deux ans, parce que la classe de la comédie, ça dure deux ans. Donc surtout, ce sera aussi l'atelier de sortie des élèves de la classe qui sont là le soir. Et puis, une grande fête aussi pour leur dire au revoir, puisque après, ils vont tous rentrer dans des écoles et nous quitter. Donc voilà, c'est une grosse fête pour terminer la saison tous ensemble autour de ça. Ils sont très gênés. Comment ? Ils sont très gênés de ce que tu as fait. Ils sont gênés, les élèves ? Oui, donc tout à fait. Ça tombe bien parce que la présentation de saison s'achève. Voilà. Mais la fête va prendre le relais sur le parvis. Donc il y a à manger, il y a à boire, comme vous l'avez constaté. Il va y avoir maintenant de la musique. Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus de précisions sur les spectacles et les appels à participation, dont celui dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à vous adresser donc aux membres de l'équipe. Merci à toute l'équipe de la comédie, aux artistes, aux techniciens qui ont préparé cette soirée avec nous. Merci à vous pour votre présence et votre curiosité et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Ben voilà, c'est fini. Très bien.